Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 20. Et bienvenue dans l'épisode 24 du Let's Play d'Alien Isolation. Donc c'est parti, on en était où? Donc on devait... Je ne sais même pas où devoir aller en fait. Ah oui, on doit aller par là. Et du coup, à mon avis, il faut qu'on passe par là. Ou pas du tout. Je ne sais pas, on verra bien, on va avancer. Il y a un androïde juste là, il a les yeux bleus, on dirait que c'est un ami. Non, c'est un ennemi. Hop là, ça je l'ai fait, voilà, c'est grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous, pour vous aider à chaque étape du chemin. Comment on le tape encore? Tour à présent. Non, laissez-moi. Lâche-moi. Tu es mort. Oh, c'est une blague. Non, je voulais pas utiliser de munitions, je voulais le tuer sans utiliser... Ah merde, je me suis bloqué comme un con. Oh non, on peut passer. Heureusement, ils sont pas très très rapides. Faudrait que j'utilise ma medkit. Ils sont où? Ils sont juste là. Comment on se soigne encore? Comme ça. On reprend le taser et on va aller se cacher quelque part. Non, je me suis trompé de touche. T'inquiète. Qu'est-ce que je fous? Moi. Mais pourquoi il m'énerve à me bloquer comme ça tout le temps? Mets des quêtes. Allez, ça commence super bien là, la partie. Tac. Commence en force. On dirait. Non, je ne sais pas ce qu'on dirait en fait. Je vais vous le dire je sais plus, le buggy lunaire là, mais ça ne reçoit pas du tout à ça, donc je ne sais plus comment on appelle le buggy lunaire là. Bonjour, je vais le tuer, j'ai pas envie d'utiliser le taser en fait parce que... Mais non, ah, ah mais non, taser. Mais c'est une blague et il est infernal. Tant pis, on va utiliser le taser. Tiens, ça t'apprendra le respect ça un petit peu, non? Il y a qu'à fond dedans là. Détecteur, carburant, allez on prend tout. Carburant, yes. J'ai le lance-lame, il est où le lance-lame? Je sais même plus où il est le lance-lame. Ah mais non, j'avais déposé mes armes, depuis tout à l'heure j'ai toujours pas récupéré mes armes en fait. Oh là là là. Pour ça je me balade avec le taser. Je ne savais plus. Alors, je ne sais même plus où ce que je voulais. Ah bah on est au bon endroit en fait. What the fuck? Pour de maintenance. Bon, je voulais pas utiliser le taser parce que je voulais économiser un maximum mes munitions. Je ne sais pas s'il y a après. Bref, c'est pas très grave. Porte fermée. C'est où ces trucs là? Hop, il y a des petits points d'exclamation. Je pense qu'on peut ouvrir cette porte là avec le... Ah, il y a ça ici. Mais je ne veux pas, je dois rétablir le courant. Évidemment, au niveau de sécurité, trop élevé. Et ici, c'est... Au niveau de l'électricité, trop faible. On va suivre le câble du coup. Il nous emmène où le câble? Il nous emmène où? Il nous emmène là, ah, ici. Ouais, je pense que j'aurais pas le choix de le tuer lui de toute façon, ouais, parce que faire ça totalement discrètement, il doit y avoir moyen. Hein. Oui, dans la dernière vidéo, on m'a dit que j'étais un peu bourré, je le sais. C'est habituellement dans les jeux d'infiltration, je m'infiltre. Mais bon,
Là, je préfère assurer mes arrières, tout simplement. On va reçu le câble. M'emmène où? C'est un petit labyrinthe en fait. Non, niveau d'électricité est trop faible. On va suivre les câbles là, tout simplement. Tac. Oui, voilà, ici. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va retourner à l'autre maintenant. Bon, là c'est bon maintenant, je peux. Mais en fait, c'était vachement plus stressant quand il y avait l'alien. Je dois bien l'avouer, c'est beaucoup moins stressant qu'avant. C'est moins stressant que quand il y avait l'alien. Voilà, je n'arrive plus à parler français. Je sais plus où je dois aller. Je sais plus où je dois aller. Non, là, c'est d'où je viens. Là, c'est fait. Mais merde, alors, c'est où? Oh, mais c'est juste là, quel con. Hop, allez. Power level. Level 2. Level 3. Boum. Allez. C'est parti. Niveau de sécurité 3 élevé encore tout. Oh. Tombe pas, et toi? Maintenant, tu peux tomber. Oh là, je ne vois rien du tout. Ok, derrière, je ne peux pas aller. Ok. On va quand même économiser. Ouais, non, on économise pas la torche. Ça ne sert à rien. Je l'économise depuis le début du jeu, alors que j'ai des piles quasiment tout le temps. Je pense pas qu'on aura besoin de plus de piles que ça, honnêtement. Bon, voilà, là par exemple, je peux quand même enlever. Le truc, c'est que j'ai le soleil en plein écran, donc du coup, je vois rien plus. Bon, j'économise un peu trop les torches. J'aurais plus économisé mes munitions que mes torches, mais bon, je fais l'inverse, moi, c'est pas grave. Alors, c'est par où que je dois aller? What the fuck, je suis perdu. What the fuck? À droite ou à gauche? À gauche, il y a une porte, donc on va aller voir, elle est fermée, donc. Ok, donc ça je peux l'ouvrir. Et à droite, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir quelque chose? Oh, il n'y a pas de sauvegarde. J'ai bien fait de venir ici. Puisses-tu te fermer? Merci. Puisses-tu te fermer? Ah là. Oui. Hop là. Une petite ellipse. On va aller à l'autre porte. Donc celle-là, on sait bien que ça s'ouvre, mais celle-là, j'ai besoin de la soudure. Si ça se trouve, ça amène au même endroit, je pense. Quoique, non, on va plus. Ah, ma curiosité, elle va aller là. Allez, ma curiosité va aller là. On va aller là. Curiosité, j'espère que tu ne te trompes pas. À mon avis, c'est le mauvais chemin. Je suis conscient. Je pense que c'est le mauvais chemin. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Merci curiosité. Ouais, curiosité pour ceux qui ont compris le jeu de mots, curiosity. Bon, ok, c'était pas du tout un jeu de mots, mais bon. J'ai vu une porte s'ouvrir là-bas. La grillage s'est ouvert ou fermé là. Enfin, du coup il s'est refermé puisqu'il l'est fermé, mais il y a peut-être quelqu'un qui est passé, ou alors il s'est refermé. Il s'est refermé parce que ça fait partie du jeu. Mais vu que mon radar se met à s'activer, je pense qu'il y a quelqu'un avec nous. Un droïde, humain, alien, qui sait? Ok, moi je sais maintenant, c'est un androïde. On l'a entendu parler. Oh, on le voit même. Il m'a vu? Oh non! C'est les cheatés! Merde, bonjour! Ne courez pas, je ne cours pas, monsieur. Oh, on fait un petit poker, si ça vous dit? Non, regardez, il y a des cartes là. Allez! Un petit poker! Quoi ça?
Un petit poker, allez! En fait, là, je ne sais pas quoi faire, c'est pour ça que je tourne en rond. Parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai quoi? J'ai plus de cocktail Molotov. Ah, ça, on m'avait dit, ça, on m'avait dit. T'as bien utilisé, on m'a dit dans les commentaires, t'as bien utilisé tes armes. Sauf peut-être les fumigènes. Et je comprends pourquoi maintenant, c'est peut-être pour ça. Allez! Fumigène, son. J'ai plus d'armes pour lui. Le taser ça fonctionne pas sur eux, mais des kits on s'en fout, ça ne sert à rien, c'est juste pour me soigner ça. Bon, tuyau, j'ai plus rien. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Hein. Ma foi, dans le pire des cas, il nous tue et qu'il voulait vous que je vous dise. Mais non, je vais devoir le tuer. Hein. Je vais devoir le tuer. Esquive. Ah, hop. Pas esquive du tout, non. Ouh, ça va faire mal ça. Non, lâche-moi. Oui, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Maquet, je suis dans la merde. Hop. Grenade aveuglante, je sais pas si ça marche sur eux. Menu M, ça marche peut-être sur eux, tiens. Dans la logique, ça devrait fonctionner. Ah non, je me rappelle, ça marche pas sur eux, putain. Non. Non, je crois qu'on va... Oh là là. On m'avait dit qu'il avait mal utilisé les molotovs, je comprends pourquoi maintenant. Je comprends pourquoi. Alors en plus, je crois que je peux pas en fabriquer. Est-ce qu'il y a moyen de refermer la porte? Non. On va repartir bien en arrière, vous savez quoi. Medikit. J'irai. Je peux rien faire. Mais même ça marche pas. Bon, fumigène non plus. Metteur de son, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a rien qui peut nous... Ne courez pas, bien sûr. Je vais t'attendre sagement, monsieur. Hop. Bon, j'ai fait une petite ellipse. Bon. La seule chose que je vois que je peux faire, c'est le faire tourner en bruit comme ça. Et puis moi repartir du bon côté. Suivez-moi, je vous prie, je crois qu'il m'a repéré. Oh là 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 là, je sais vraiment pas quoi faire là, je dois vous avouer. Allez, on va partir par là directement. Tac. Puis allez, après on va à droite. On va ici, on va essayer de se dépêcher. Bon, heureusement, les androïdes sont assez lents, donc c'est plutôt bueno pour nous, ça. Oh! Ça peut faire mal, ça. C'est quoi? Pistolet à clous ramassé. Oh. Clous, on a 4 clous. Oh, mais je l'avais pas vu. Bon, on va essayer vite d'activer. C'est obligé de zoomer comme ça, je peux pas regarder. 68-32, on retient, 68-32. Ça, je vous laisse le temps d'un point de pause. Pareil pour là. Fichier corrompu, on s'en fout. 68, c'était combien? 68-32. 68-32. Hop. Ok, allez. On a encore fait une ellipse. Hein. Ok, bah c'est la porte. Là, on a ouvert le grillage. Hein. On a ouvert le grillage. L'autre pistolet à clous. On va reprendre un medikit parce que là, je suis quand même bien amoché. Voilà, de toute façon, ça me régénère pas toute ma santé donc ce n'est pas gâché. Tac, on va refabriquer. Je devrais peut-être en fabriquer ailleurs, mais bon. Hein. Si il vient, on l'esquive. Hashtag pas du tout. Tac, medikit, c'est bon, on peut plus en fabriquer. Grenade aveuglante, ça ne sert à rien pour l'instant. Menu M, on va plutôt faire, à mon avis on va tomber sur des humains dans pas longtemps.
sur les adroïdes là, ça fait un petit moment qu'on tombe dessus. Tac. Je ne trouve pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu veux toujours pas au poker, les gars? T'es sûr? Allez, ami! Je suis un ami, moi! Si je dois aller par là, peut-être. Sûrement. Casque de soudure. Allez. Allez. Ça va, on a le temps, on a le temps. Ricardo, t'es déjà allé au réacteur? Jamais fait cette visite. J'ai fait une formation dans un réacteur, mais c'était dans une autre vie. Le pistolet à clou, c'est la seule arme, vraie arme qu'on a. Transit Station. C'est quoi ça? Oh! Ramasser l'éthanol, je peux faire un cocktail Molotov. Hashtag pas du tout. Munitions de pistolet. Il était juste derrière. Il remontait le couloir comme si de rien n'était. Je me suis caché, mais quand j'ai relevé la tête, il était plus là. Je crois qu'il est passé par le sol ou par le plafond. Sébastopol est un vrai gruyère, fait de conduits et de passages, de salles poussiéreuses où personne n'a mis les pieds depuis des lustres. Il pourrait être n'importe où. Ça doit être ça que les marshals ont pris en chasse. Ils auraient dû me mettre au courant. Chief, terminé. Ok, j'ai pas trop compris, c'est un vrai gruyère. Sébastopol est un vrai gruyère. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah, une nouvelle arme encore. Ça va faire du bien ça. C'est un fusil à pompe on dirait. Pas... Non. Si, fusil à pompe. Ah, oh, je récupère toutes mes munitions avec. Non, ouais, j'avais plus de munitions que ça, non? J'ai 9 balles. Ouais, je ne sais pas. Revolver, mais ah, mais je dois récupérer en fait. Ok, c'est parti, on est reparti là. Yes, ah. Il est où mon lance-flamme? Fusil à pompe, revolver, pistolet à clou, fumigène. J'ai pas récupéré le lance-flamme. What the fuck? J'ai pas récupéré le lance-flamme. On va garder le revolver sur nous parce que c'est l'arme la moins puissante. Et si on est vraiment en danger, bah on utilisera le fusil à pompe qui est l'arme la plus puissante qu'on a, il me semble. Bah, fait le pistolet à clou, je ne sais pas du coup. Je l'ai jamais utilisé. Et un poids de sauvegarde. Ok. Munition de pistolet. Pistolet à clou. Ok. Ah bon bah les gens, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. En espérant ne pas recroiser cet alien. Ça fait un petit moment qu'on l'a vu, à mon avis c'est fini lui. J'espère honnêtement que c'est vraiment fini. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.